Bon, deux molécules de plus là pour nommer, pour apprendre deux autres règles pour la nomenclature. Donc dans la première molécule qu'on a ici, donc un petit peu plus complexe, alors on applique la première règle et il faut chercher la chaîne carbonée la plus longue. Donc on va compter les carbones. Et ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis si on va vers la droite, 11, 12, 13. Et puis si on va à partir d'ici vers le haut, c'est aussi 11, 12, 13. Donc on a deux possibilités pour la chaîne carbonée la plus longue. Donc l'idée c'est... Donc le problème c'est de savoir laquelle doit-on prendre. On a de toute manière 13 carbones. Et la règle c'est de prendre la chaîne carbonée qui a le plus de ramifications. Si on regarde la chaîne du bas ici qui a 13 carbones complètement alignés, eh bien elle n'aura qu'une seule ramification, ce groupement ici, à 4 carbones. Alors que si on prend celle-ci, qui passe par le haut et puis qui va ici à gauche, on aura une ramification vers la droite et une ramification vers le haut, celle-ci. Donc c'est celle-là qu'on va choisir et puis on numérote les carbones de manière à avoir les ramifications qui portent les plus petits numéros. On a ici donc une chaîne à 13 carbones, que des liaisons simples entre les carbones, c'est donc un alcane. Pour 13, on va avoir le préfixe qui est le tridécane. Donc on a un tridécane pour squelette de la molécule qui porte le nom principal. Ensuite, il faut positionner les deux ramifications. Donc en haut à gauche, on a un seul carbone, donc préfixe met, et puis terminaison il, parce que c'est une ramification. Et puis en bas, ici, sur le quatrième carbone, on a un, deux, trois carbones, donc préfixe propre, et puis terminaison il. Comme on a numéroté notre chaîne carbonée, on sait que sur le méthyle, eh bien, ce sera un 3-méthyle. Puis ici, le propyle, il est sur le carbone numéro 4. Donc on aura un 4-propyle. Et enfin, il nous reste à positionner devant ce nom principal tridécane ces deux substituants en respectant l'ordre alphabétique. On regarde ici la première lettre, le M de méthyle et le P de propyle. Donc c'est évidemment le M qui vient en premier. On a donc du 3-méthyle, 4-propyle, tridécane. Voilà, alors il faut bien voir aussi que ça fait qu'un seul mot en fait, hein. Il n'y a pas d'espace entre les différents éléments. On rajoute juste des tirets quand on passe des chiffres aux lettres et on met des virgules entre les chiffres. Mais sinon, il n'y a pas d'espace, c'est qu'un seul mot. Pour la molécule suivante, eh bien là, on va voir une nouvelle règle en ce qui concerne un cycle. On doit d'abord identifier la chaîne carbonée la plus longue. On a la possibilité d'avoir celle-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones pour cette chaîne linéaire ici. Et puis on a le cycle qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbones. Donc c'est le cycle qui est la chaîne la plus longue. Donc je vais bien repasser en rouge pour que ce soit très visible. Voilà, notre cycle a 9 carbones. Donc 9 carbones, que des liaisons simples. On a donc un alcane. 9 carbones, c'est un nonane. Ces 9 carbones forment un cycle, donc c'est un cyclononane. Voilà pour la chaîne principale. Ensuite, on a trois ramifications que l'on va nommer les unes après les autres. Donc celle-ci qui est à 7 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est donc un hept pour 7 carbones. Et puis il pour la terminaison correspondant à une ramification. Ensuite, en haut, on a 3 carbones. Donc 3 carbones, c'est un prop. Il pour la ramification. Et enfin ici, on a 4 carbones. Et on reconnaît ici que le carbone qui est rattaché à la chaîne principale, c'est-à-dire au cycle, est lié lui-même à trois autres carbones. Donc on se rappelle qu'on a affaire cette fois-ci à un tertiobutyle ou tertbutyle. Maintenant, il nous reste à classer ces trois ramifications sur le cycle pour pouvoir les positionner devant le nom principal cyclononane. Et donc pour ça, il faut numéroter le cycle. Et là, la question qu'on doit se poser, c'est quel est le carbone qui va être le numéro 1? Et la règle, eh bien, c'est très simple. On attribue le numéro 1 au carbone qui porte le substituant, qui est le premier dans l'ordre alphabétique. Ici, on a le B de tertiobutyle, le P de propyle et le H d'heptane. Donc, on se rappelle que pour la numérotation, les suffixes qui sont en tert, sec, etc. ne comptent pas. Il n'y a que le I de iso, que ce soit isobutyle ou isopropyle, qui compte. Ici, c'est le B de butyle qui va être le premier dans l'ordre alphabétique. Donc, on va numéroter les carbones en partant de 1 ici. Et puis ensuite, on fait en sorte que les substituants portent les plus petits numéros. Donc ici, on aura le carbone 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc finalement, on va avoir
par ordre alphabétique, on va avoir du 1 tertiobutyl, on va avoir du 2 propyl et enfin du 5 heptyl. Et il nous reste à ranger tout ça par ordre alphabétique. Donc le premier, c'est évidemment le 1 tertiobutyl. Ensuite, dans l'ordre alphabétique, on va avoir du 5 heptyl et enfin 2 propyl. Donc voilà, du 1 tertiobutyl, 5 heptyl, 2 propyl cyclononane. Et voilà, c'est fait pour ces deux dernières molécules.